Bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de deux livres que j'aime particulièrement pour parler de santé mentale. C'est la semaine de la prévention du suicide qui se termine. On sait que la grande majorité des personnes qui font des tentatives de suicide ou qui se suicident avaient un trouble de santé mentale. Donc, c'est important de parler de ces sujets-là, même si c'est morose, même si c'est difficile, même si ça sous-tend donc toute cette détresse, toute cette souffrance psychologique-là, qui est encore très, très, très tabou, même si on en parle de plus en plus, même si des grandes compagnies font des levées de fonds pour remettre les sous à des organismes en santé mentale, en prévention du suicide. Ce qui est une bonne chose, c'est que de plus en plus de personnalités publiques en parlent, ce qui fait en sorte que pour les jeunes, c'est des super modèles, en fait, de résilience, puis de dire, ben ça se peut s'en sortir, puis c'est pas parce que tu as une belle vie en apparence parfaite que tout va bien. En fait, je pense que c'est ça le piège de beaucoup de nos jeunes à l'ère actuelle. L'image qu'on montre de soi, en fait, sur les réseaux sociaux, qui n'est pas tout à fait représentative de la réalité, hein, nécessairement. On filtre ce qu'on montre sur nos différents réseaux et souvent, ben, on va filtrer en mettant que le positif, nous qui sourions, nous qui vivons une fierté, une réussite, nos bons coups. Alors voilà, puis forcément, quand on se sent moins bien et qu'on descend notre fil d'actualité, puis qu'on voit tous ces gens-là qui ont donc l'air d'avoir des belles vies, qui vont en voyage, qui ont plein d'amis, plein d'activités, qui sont toujours heureux et souriants, mais nous, on se compare négativement à ça en se disant que notre vie est donc bien misérable finalement. Puis ça peut augmenter ou du moins maintenir le sentiment d'isolement, de solitude, qui est lui aussi un facteur de risque quand on parle de santé mentale, de troubles de santé mentale, en fait, et de suicide et tentative de suicide. Alors, première recommandation, La Maison des Intempéries, un livre jeunesse qui est paru il y a quelques années aux éditions Midi 30. Vraiment des belles illustrations, un langage adapté pour les jeunes lecteurs de 6 à 12 ans, je vous dirais, qui aborde la réalité d'un couple de jumeaux, un garçon et une fille qui vivent avec une maman qui a un trouble de la personnalité limite. Le livre a été écrit par Lise Laporte et Ronald Fraser, tous deux dans le domaine de la psychologie, de la médecine, qui se spécialise en santé mentale. Donc, des mots pour expliquer aux enfants qui ont des parents qui vivent avec des troubles de santé mentale ce qui se passe. On sait aussi que la résilience se trouve entre autres choses dans les livres, comme nous l'a démontré à maintes reprises Boris Cyrulnik, qui est un neuropsychiatre français qui a contribué à publier et à vulgariser et à parler largement du concept de la résilience. Voici d'ailleurs un de ses livres que j'aime beaucoup, Parler d'amour au bord du gouffre. Donc, la résilience, c'est la capacité à rebondir dans l'adversité. Ce que Cyrulnik nous apprend, c'est que c'est pas une qualité avec laquelle tu nais ou pas. C'est quelque chose, en fait, qui se développe au courant de la vie. Il y a certaines personnes qui, d'emblée, par leur tempérament inné qui est facile, donc qui s'adaptent bien à la nouveauté, qui sont réconfortées aisément, ben eux, de manière génétique et innée, ont déjà ce petit plus-là. Mais par la suite, ce qui peut aider, c'est d'être bien entouré, d'avoir un bon réseau et un bon soutien social, émotionnel, d'avoir la capacité aussi à reconnaître ses émotions, à les exprimer, à un réseau de soutien bienveillant. Hein? C'est là qu'il prend tout son sens, ce fameux réseau-là. Également, il parle qu'on peut trouver de la résilience chez un animal de compagnie, hein, ce lien qui se développe avec lui. Il parle également des tuteurs de résilience, donc des personnes signifiantes, significatives qu'on peut rencontrer au cours de sa vie, que ce soit un prof, un coach, une éducatrice, un professionnel ou une professionnelle, une voisine, un cousin, bref, quelqu'un dans notre entourage qui est peut-être plus éloigné, mais qui va devenir une figure significative qui va nous permettre de développer la force de rebondir dans l'adversité. Boris Cyrulnik parle également du pouvoir de la création, que ce soit quand je laisse aller mon imagination à peindre, à coudre.
à faire un beau jardin, à écrire forcément. Hein, on pense au concept de sublimer sa souffrance en quelque chose de beau, de créatif qui nous permet de panser des blessures. Et également, il parle de l'impact que peut avoir la lecture, pour développer la résilience, que ce soit chez les jeunes ou les ex-jeunes que nous sommes. En fait, de dire, ben, je me reconnais en un personnage, je me sens moins seule, je me sens compris, il y a quelqu'un, l'auteur ou l'autrice, qui a mis des mots sur comment moi je me sens, ça vient valider certaines émotions. Ça vient également m'aider via les personnages qui trouvent des stratégies pour faire face aux problèmes que j'ai peut-être en commun avec eux. Donc, ça me donne des nouvelles idées, ça me donne espoir et simplement le fait aussi de s'évader momentanément dans la lecture, de faire aller notre imagination, mais ça a quelque chose de très réparateur pour les jeunes et les adultes. Également un livre pour les adultes, un roman écrit par la sublime Marie-Cécile Labrèche, Borderline, qui a été publié il y a déjà une vingtaine d'années que le temps file, en fait en 2003. Excellent roman qui parle, on s'en doute bien, hein, de troubles borderline que l'autrice a, que son personnage principal, qu'elle a appelé Marie-Kiki, a également. On parle aussi du vécu avec une mère qui a des troubles de santé mentale importants, qui nécessitent des hospitalisations fréquentes, une grand-mère aussi qui entre dans cette dynamique-là, un peu de victimisation. On voit aussi les effets que ça peut avoir sur le développement d'une jeune fille qui devient femme dans son rapport aux hommes, dans les relations qu'elle entretient avec les autres, dans la difficulté à établir des relations amicales. Sincère, j'ai envie de dire, en fait, où est-ce que les pulsions destructrices prennent le dessus et peuvent, ben oui, détruire ces relations-là. Excellent livre qui a d'ailleurs été mis en film avec Isabelle Blais dans le rôle principal. Donc, c'est foudroyant, ça jette par terre, mais ça fait vraiment bien comprendre de l'intérieur qu'est-ce qui se passe chez une personne qui a un trouble de santé mentale de type borderline, trouble de la personnalité. Alors voilà, je vous souhaite des belles lectures, des belles découvertes dans les ouvrages. Tant que je vous présente, peut-être que vous-même, vous avez des recommandations lecture en lien avec la santé mentale, en lien avec le suicide, la prévention du suicide. Je vous encourage à les partager dans les commentaires. Sinon, je vous quitte en vous disant que il y a des lignes téléphoniques comme Jeunesse J'écoute. Il y a également des lignes pour la prévention du suicide avec des intervenants qui sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre, qu'on soit une personne en détresse, qu'on soit un proche d'une personne en détresse. Il y a des organismes communautaires qui existent dans vos régions. N'hésitez pas à aller demander de l'aide aussi au CLSC. Sinon, si c'est une alternative pour vous, si vous trouvez que les listes d'attente sont trop longues avec raison dans les services publics, il y a également d'excellents professionnels dans le domaine privé qui peuvent vous offrir leur soutien. Mais dans tous les cas, restez pas seul avec votre détresse. Et si vous êtes un proche d'une personne qui a un trouble de santé mentale, il y a des groupes de soutien aussi qui existent pour vous. Alors, je vous souhaite beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance et de prendre soin de vous.